Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre club FIFA 22, toujours avec 0€, aujourd'hui avec Vincent, on espère que tu te portes pour le mieux. Pour notre part, ça ne peut pas mieux se passer. Aujourd'hui les gars, on a tellement taffé dessus qu'on va ouvrir des récompenses top 200 en clash équipe. Alors les gars, aujourd'hui c'est déjà le cinquième épisode de notre club à 0€, donc aujourd'hui les gars, on va vous demander... Avec Vincent, combien de likes? Moi, je dirais 5000. 5000 likes. On voudrait aussi remercier le Creators Network Programme de EA pour nous avoir envoyé le jeu en avance. Alors, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Comme Yam l'a dit, des top 200 Clash Equipe. Dans les prochains jours, il y aura une coupe là. Il y aura une coupe spéciale top 200 Clash Equipe. C'est la troisième fois de notre vie qu'on le fait. Et voilà, les gars, un grand merci. Si on peut dépasser les 5000 pouces bleus, ça serait énorme. Et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Et on a terminé, les gars, 147e mondial. Eh les gars, je vais pas vous mentir, j'ai eu chaud là. Dès qu'on ouvre une récompense top 200 clash équipe, les serveurs ne marchent pas. Le petit coup de panique, mais tranquille. Alors les gars, je vais pas vous mentir, pour faire top 200 clash équipe, il fallait mettre de l'huile de coude. Il fallait vraiment bosser le mode de jeu clash équipe. C'est vraiment très très ennuyeux, mais au moins comme ça j'ai pu profiter un peu et entre guillemets apprendre un peu plus le jeu, parce que c'est pas avec monsieur le plâtré que... Non, en vrai ça va, là tu cicatrises bien, mais je pense que d'ici 2-3 semaines, Vincent pourra encore retoucher à la manette. On veut pas prendre de risque avec ça. Alors je vais juste te montrer, on a quoi comme récompense avant que les serveurs IA nous déconnectent. On a terminé 147e, donc c'est entre 100e et 200e mondial. On a 65 000 crédits, 2 packs méga, 1 pack à 50 000. Les 3 packs sont vendables. Ah là, on est bien. On a 164 000 crédits, on avait 100 000 crédits avant de recevoir les 65 000. Ça c'est notre équipe les gars, l'équipe elle va complètement changer à suivre dans les deux prochains épisodes. Ça va complètement changer, on ne sait pas encore l'équipe qu'on va faire. On a déjà 2-3 petites bases avec Clusterman en défense centrale. Et j'ai juste une petite question les gars, justement parce que ça peut tomber dans les commentaires. Comment ça se fait que vous avez terminé top 200? Alors comme Liam l'a dit, on a le jeu en avance, mais nous de notre côté, qu'est-ce qui se passe? Alors, les équipes qui n'ont pas beaucoup de notes et pas beaucoup de collectifs, on joue en mode légende, d'accord? Légende. Ce qu'il faut faire, c'est quand tu joues en mode légende, c'est de mettre le 5-0. Si tu peux mettre le 5-0, c'est où tu vas gagner le plus de points. Par contre, quand on joue contre des équipes avec une note assez élevée, avec un collectif assez élevé, là on joue en mode champion. Et on met aussi en mode champion, si tu peux faire le 5-0, tu vas essayer de gagner plus de points. Là, pour terminer top 200, les gars, on a dû jouer tous les matchs. Durant l'année, ça sera aussi tous les matchs que tu devras jouer sans avoir de déco. Parce que nous, je sais qu'on a eu une petite déco et ça, ça peut te mettre vraiment dans la sauce. Là, maintenant, ce que tu es en train de voir, c'est justement les marquee match-up, c'est les grosses affiches. C'est les grosses affiches, donc marquee match-up en anglais, grosses affiches. Ça nous a coûté plus ou moins 10 000 crédits, les gars. On avait 2-3 joueurs dans le club. Je te conseille fortement de le faire si tu as 15 000 crédits et que tu as envie d'avoir des packs. Fais-le, franchement, ça coûte 15 000 crédits, ça coûte pas cher. Tu auras des packs plutôt sympas. Et après, du coup, on va ouvrir nos récompenses Clash Equipe. Avant qu'on ouvre, les gars, notre nom de club, c'est toujours Croydon Town. C'est vrai que c'est un nom de club local en Angleterre, de 8e division anglaise. On aura besoin de ton ingéniosité dans les commentaires YouTube, parce qu'on sait que des fois il y a quelques cracks qui nous font rigoler dans les commentaires. Donc les gars, proposez-nous un nom de club qui reflète l'image du club. Voilà, une image, l'image d'un club de village, un club de villageois, mais aussi un club où qui a de l'ambition. Qui a de l'ambition. Voilà, on est toujours avec 0€, comme on t'a dit. D'ailleurs les gars, on vous a même pas demandé comment vous allez et comment ça s'est passé, vos récompenses Clash Equipe. J'espère que ça s'est bien passé de ton côté. Dis-nous si t'as joué beaucoup à Clash Equipe. Oh, c'est pas vrai. C'est sympa parce que justement ça pouvait donner des liens. Tu sais, on avait tapé dans l'épisode précédent, t'avais dit qu'on avait eu justement Clusterman en invendable. Là, Bernd Leno, j'avais pourquoi pas l'idée de l'acheter pour qu'il donne un lien avec un défenseur central de première ligne. Donc Bernd Leno, c'est pas mal. On va envoyer tout ça dans le club, les gars. On va gérer ça plus tard dans le club, il n'y a pas de souci. On va récupérer, on va scratcher quelques crédits. Et je vais les, du coup laisser Liam ouvrir ça. Mais oui, c'est vrai qu'il faut quelque chose, les gars. Ouais, il faut des noms d'équipe, il faut des noms de club, parce que là, nous, c'est pas possible. Ah, on peut pas continuer l'année, on peut pas se mettre devant vous avec ce nom de club Croydon Town, c'est pas possible. Aussi les maillots, pourquoi pas, ça on verra dans les prochains épisodes. Mais voilà, c'est important de partir sur des bonnes bases. On termine top 200 Clash Equipe, on a la coupe derrière. Mais si le nom de club c'est Croydon Town, ah non, c'est bon, on passe pour des guignols. On passe pour des guignols face à vis-à-vis de la communauté. Également les gars, on stream pratiquement tous les jours sur Twitch, twitch.tv, les Twins FIFA. Tous les liens que tu as besoin pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, Discord, tous les liens sont dans la description, donc n'hésite pas si tu veux interagir avec nous. Et également, pense à t'abonner en activant la cloche de notification. Près de 50% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées, donc n'hésite pas frérot, rejoins la famille. Donc, pack joueur premium. Or Vincent,
Donc là, c'est un pack à 25 000, les gars. Et après, c'est les 3 packs de top 200 Clash Equipe. Franchement, les gars, par contre, aussi, les récompenses Clash Equipe ont vachement été changées cette année. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, c'est pas une année, malheureusement. Ça sera DC Azpilicueta qu'on a déjà tapé. Il coûte 1500 crédits. Ah, il se vend pour des cacahuètes. Donc ça, c'est dommage. Et oui, aussi, les récompenses Clash Equipe, les gars, il faut en parler parce qu'il y a un changement cette année. Les récompenses Clash Equipe, c'est plus le lundi matin à 1h du matin. C'est le dimanche matin à 10h pour l'instant. Moi je préfère, dites-nous les gars dans les commentaires, moi je préfère que ça soit maintenant que tard le soir. Parce que déjà de une, ça nous met pas dans la sauce le lendemain. Et de deux aussi, tu vois, c'est tout le dimanche. Après voilà, tu peux terminer ton fut champion tranquillement et pas avoir à te soucier de justement finir squad, finir clash équipe et finir aussi fut champion. Donc moi je préfère justement cette horaire là. C'est quoi, on va ouvrir l'aperçu du pack premium or et après on va ouvrir les récompenses top 200. Donc ouais les gars, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment bossé tout ça cette semaine. Je pense pas qu'on aurait terminé top 200 hein, si on n'avait pas le jeu en avance. Donc voilà, on veut quand même remercier EA Sports FIFA France parce que j'ai quand même perdu un ou deux matchs. Et également, je me suis mangé une déco. Donc voilà, à un moment, j'avais très très peur. Je vous ai tenu au courant sur Twitter par rapport à l'avancée de nos points, etc. Mais voilà, 147e mondial, on a assuré nos arrières et là, c'est très très bien. Maintenant, on veut être récompensé. Yeah! Ah, c'est pas assez. Non, c'est qui? C'est Axel Witzel et notre seul anime du jeu, les gars, c'est Rodri86 qui coûte 5000 crédits. C'était notre seul anime du jeu. Si peut avoir le bonheur et le plaisir de nous régaler en ce dimanche matin et de nous passer un CR7 ou un Messi, comme vous voulez. Oh, parce que sur une icône. Parce que là, franchement, les gars, sur Twitter, là, sur notre timeline Twitter, on voit des choses. Ah, c'est vrai. Qui font peur. On voit des choses qui font peur, des packs amélioration or où t'as du Benzema, du Ronaldo dedans, des choses comme ça incroyables. Franchement les gars, votre chance dans les packs, elle est exceptionnelle. Et même au niveau des équipes, je vois sur notre fil Twitter passer des équipes. Il y a des gens, le jeu n'est même pas officiellement sorti, ils ont déjà des Messi, Ronaldo, etc. Je suis en mode waouh, franchement bravo. Téma. Les gars, est-ce que Azpilicueta ça sera pas le nouveau Hator de l'année dernière? Aïe, les gars, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon. Il nous faut qui derrière? Renato Sanchez, Klosterman? Ouais. Bon. Oh! Alors ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre parce que je pense que l'année dernière justement il y avait le boost qui sortait en premier. Faut me dire les gars, mais je pense que l'année dernière quand t'avais un 82 de général ça sortait. Donc là, ça franchement les gars c'est top, ça vaut quoi? 30 000 crédits je pense. Ça, quel plaisir. Oh, on a le titre de la vidéo les gars. Oh! On a le titre de la vidéo les gars. Eh, la petite passe d'elle est sympa. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer tout ça au club. On va checker ça plus tard les gars. Franchement on va checker ça plus tard. On va pas se casser la tête. Et c'est tout naturellement. Merci Vincent. Je donne la manette à Le totem d'immunité top 200. Si t'as kiffé la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. La semaine prochaine, des récompenses Elite 1 sûrement qui arrivent sur la chaîne. Oui, on va faire ça toutes les semaines les gars. Clash équipe Elite 1. Je vais pas te garantir top 200 toutes les semaines parce que ça serait te promettre des choses que peut-être. Des âneries que je peux peut-être pas assumer tout seul, surtout que Vincent, bon voilà, il est un peu, il a toujours son certificat médical. Bon allez, c'est parti pour le pack à 50 000, est-ce qu'on l'ouvre? Allez, on voit l'anime les gars, on voit l'anime, on a terminé top 200, on voit l'anime. On veut rêver, on veut vibrer. Merci. Oh là 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 là. Alors là, oh, on a des récompenses de guignol. Calmons-nous, il peut... Quelque chose peut se cacher derrière lui. Il peut se cacher un Richarlison, un Renato Sanchez, un Klosterman. Il faut y croire. Mais on n'aura pas eu d'anime sur top 200, les gars. Allez. Ouf. Ça va, au moins, il y a un boost. Alors, les gars, pour avoir terminé top 200, on se fait 30 000 crédits avec ça. On se fait 10 000 crédits avec le boost. C'est déjà si tu commences Non, faut pas compter. Faut pas compter, mais les gars, dites-nous dans les commentaires si vous avez fait le calcul. Là, combien de crédits on a fait avec les crédits qu'on a récupérés. Donc 65 000 et avec les 3 packs qu'on a ouverts. Combien de crédits on s'est fait, les BG? Moi, je pense qu'on s'est fait plus ou moins avec les deux boosts, plus ou moins avec les packs, 70 000 crédits. Ouais. Si on scratch un peu partout. Ce qui fait qu'on aura fait grosso modo 150 000 crédits. En vrai, c'est bien. On va pas se plaindre parce que 150 000 crédits au début du jeu, c'est énorme. Oui. Après, je vais pas vous dire que j'avais placé pas mal d'espoir pour ces récompenses top 200, mais bon, c'est le jeu. Voilà. Des fois on gagne, des fois on perd. C'est comme ça. Je vois Félix, peut-être qu'on va le garder parce que je sais qu'on va peut-être se faire une équipe, la Liga. On va construire tout ça en stream ce soir sur notre Twitch, twitch.tv, LetoonFIFA. Le lien est dans la description. Ouais. On stream pratiquement tous les jours, donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va créer l'équipe ensemble. On va voir combien de budget on a. On va faire vente rapide pour le boost. Comme ça,
toi aussi tu auras ton mot à dire par rapport à l'équipe et ce que tu voudrais voir, ce que voudrais, quel joueur tu voudrais qu'on teste pour ce début de FIFA 22. Les gars, merci beaucoup du soutien, franchement ça nous fait grave plaisir. Ouais. Avant, je vais juste te montrer, si tu as 2-3 questions, comment je jouais in-game. Je jouais en 4-4-2 tout simplement, je vais te montrer les tactiques perso en clash équipe. Je pense que le 4-2-4 même, comme ça c'est un peu plus offensif, comme ça j'ai marqué mes 5 buts. Beaucoup de personnes nous ont demandé une vidéo tactique et meilleure formation, etc. Les gars, nous, il nous faut encore quelques jours pour qu'on s'améliore sur le jeu, pour qu'on comprenne un peu plus le jeu. Donc voilà, ça va sortir sûrement dans la semaine, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc voilà les gars, merci beaucoup de votre soutien, ça nous fait extrêmement plaisir de voir tout le soutien autour de la série du club à 0€, ça nous fait extrêmement kiffer. Prenez bien soin de vous. Bonne chance dans tes packs si tu ouvres tes récompenses. Moi, c'est Liam. Moi, c'est Vincent. On se capte tout à l'heure en stream. Au revoir. Et n'oublie pas, like et abonne-toi à toutes les gars.